Copain Montard, bienvenue dans cette incroyable aventure à travers la majestueuse Camargue. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce coin de paradis sur deux roues, guidé par la passion de l'exploration et l'esprit d'aventure. Notre voyage nous conduira à travers des paysages à couper le souffle, mêlant la beauté sauvage de la nature, puis la richesse culturelle de la région. Nos premiers compagnons de route sont les taureaux et les chevaux, emblématiques de la Camargue. Leur silhouette majestueuse se dessine à l'horizon, sur le bord des routes, témoignant de la relation profonde entre l'homme et l'animal dans cette région. M'emmène vers le légendaire pont Van Gogh, ce chef-d'œuvre emblématique qui a inspiré le grand peintre à capturer la beauté de ces lieux avec ses pinceaux. C'est un moment d'émerveillement alors que je m'arrête pour sortir ma gourde et boire un coup devant ce pont chargé d'histoire, reliant le passé artistique à notre voyage moderne à moto. Quel contraste! Nous poursuivons notre périple en passant devant des rizières verdoyantes, un spectacle atypique qui rappelle la diversité des trésors de la Camargue. Notre aventure se poursuit et je me dirige maintenant vers le Bac. Une traversée pittoresque. Les eaux calmes scintillent sous le soleil, reflétant un monde de tranquillité. Montant à bord d'un bateau, je laisse ma moto se reposer brièvement, tandis que nous glissons en douceur sur les eaux, reliant les rives. J'enlève mon casque, j'ouvre ma veste, je respire tant bien que mal sous cette chaleur. Notre prochaine étape nous mène au Salin de Giraud, un lieu fascinant où le sel est récolté depuis des générations. Grimper en hauteur nous offre une vue panoramique sur les étendues scintillantes des salins, du blanc, du bleu, du violet, un paysage à la fois industriel et artistique qui défie l'imagination. Alors que je monte sur ma fidèle monture, que j'enfile mon casque, que je serre mes gants, ma Svartpilen 401, une moto de caractère, capable d'affronter toutes les routes, je m'apprête à vivre une expérience unique. Le voyage continue le long des étangs, où les élégants flamants roses se rassemblent. Nous nous frayons un chemin vers la plage, une oasis de fraîcheur qui invite à une pause bien méritée. Ressentir le sable chaud sous nos pieds et plonger dans les vagues est un pur délice après des kilomètres parcourus. On sent que ça fait du bien. L'aventure est loin d'être terminée. Au guidon de ma 401, je me lance dans une séance de hors-piste, une expérience palpitante qui me fait ressentir la liberté pure. Les chemins de la Camargue offrent le terrain de jeu idéal pour ma moto presque tout terrain, une alliance parfaite entre l'homme, la machine et la nature.
Poursuivant notre itinéraire, nous découvrons les usines des Salins. Un panorama de terre infinie, parsemé de sel, un terrain d'amusement inédit, loin des routes conventionnelles. Un arrêt près du phare nous permet de nous immerger dans le paysage côtier, tandis que l'achat de sel puis de riz de Camargue et d'un bon saucisson d'Otoro me permettra de me remémorer et de partager ces terres si riches. Je me dirige à présent vers la dernière partie de cette aventure avec un arrêt sur une tour qui nous permet d'admirer les étangs et les flamants roses depuis des hauteurs qui offrent une vue panoramique à couper le souffle. Notre route nous mène ensuite à Aiguemorte, une ville chargée d'histoire. Des remparts imposants entourent la vieille ville, créant une atmosphère médiévale qui nous plonge dans le passé. À nouveau, une petite pause rafraîchissante et hydratante s'impose. Aujourd'hui, 39 degrés, soi-disant la journée la plus chaude de l'été. C'est ainsi que notre voyage inoubliable à travers la Camargue touche à sa fin. Des souvenirs gravés à jamais dans nos esprits, des paysages variés et éblouissants, des rencontres avec la nature sauvage et l'héritage culturel de cette région unique. Alors je n'ai qu'une seule chose à vous conseiller, embarquez à bord de votre propre aventure et laissez-vous envoûter par la magie de la Camargue. Au guidon vibrant de votre moto, que vous soyez un passionné ou un voyageur intrépide ou simplement un amoureux de la beauté naturelle, la Camargue vous invite à vous perdre dans ses horizons infinis. À moto, en bateau, ou même simplement avec vos rêves. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi en commentaire, partagez-moi votre expérience ou apportez des suggestions pour tous ceux qui regarderont cette belle vidéo. Amis motards, à bientôt sur les routes.